Salut les Vipers, Sarah de retour, samedi 10 janvier, il est 23h40. Triste fin de semaine pour la France, pas très motivé pour faire des reviews. Je me suis quand même lancé dans une review matos ce soir sur l'Apollo Reaper by Leo qui m'a gentiment été envoyé par Bill de by Leo de Grèce. Je l'ai depuis longtemps, sorry Bill for my retard. Excellent tato, je tourne énormément dessus depuis que je l'aime beaucoup. Ici avec sa version top cap extrême avec deux cyclopes, deux malades mentaux. Un petit peu compliqué à monter, vous verrez ça plus tard. En plus j'ai dû reshooter mon montage parce que j'avais pas appuyé sur enregistrer. Nouveau système d'exploitation, nouveau matos, enfin vous verrez tout ça. Vous m'en direz des nouvelles ou pas, ça n'a pas l'air fantastique. Mais ça peut être peut-être mieux qu'avant, je ne sais pas, vous me direz. Voilà, un dripper grec à moins de 100 euros. Très sympa, plutôt versatile. Clairement, qui s'adresse, qui s'adresse pas aux newbies pour le montage, hein, c'est un petit peu tricky quoi. Mais voilà, moi c'est mon deuxième montage puisque j'avais fait un montage le premier soir où je l'ai reçu, où j'avais passé 2 heures dessus. Enfin, j'en parle plus tard, tout ça dans les close-up à venir. Présentation des pièces, montage, coilage, conclusion. C'est parti, à plus tard, ciao les Vipers. Donc, nous voilà en gros plan sur l'Apollo Dripper by Leo, démonté, mise au point. Déjà, présentation rapide de la boîte, petite boîte comme ça. En tout cas, moi je l'ai reçue dans cette petite boîte. Je sais qu'ils ont fait un effort depuis peu sur le packaging. Il y a des boîtes en bois, il y a différentes boîtes selon le matos. Donc, la petite boîte en carton, façon boîte à bijoux. Imprimée by Leo, Quality Vaping. Boîte sympa mais pas très durable, hein. Elle était collée en plus les deux côtés. Donc, je l'ai pas mal défoncé à l'ouverture. Mais on s'en fout un petit peu. Ensuite, de quoi est composé ce dripper? Déjà entièrement conçu en stainless steel 304L food grade. Et s'il vient avec quelques spares, s'il vient avec un petit tournevis cruciforme qui sert à diverses choses. C'est sympa. Bon, un peu cheap, hein, mais sympa. Mal et bavuré, comme on peut voir. Un petit tournevis, une petite barre en laiton qui nous aidera notamment au montage, mais pas spécialement. Moi, je n'utilise pas pour le montage, en tout cas. Mais elle sert à d'autres trucs, on va voir ça. Il vient avec une petite épingle qui sert au montage silice. Fait son montage autour, on l'enlève pour que la silice respire un petit peu après, mais on s'en fout un petit peu également. En spare également, deux petites vis de spare cruciforme pour les plots, pour tenir son cantal, on verra ça plus tard. J'essaie de pas les perdre. Trois o-rings, j'en ai plus que deux, j'en ai perdu un en préparant la review pour la base et pour d'autres trucs. Notamment, je crois que c'est celui-ci. On va mettre autour du 510. J'en reparlerai si j'y pense. Et donc, avec deux plots centrales différents, un percé ici pour utiliser sur un mode avec une prise d'air par le 510, genre un bod par exemple. Bod que je n'ai plus actuellement. Mais pour que l'air arrive pile poil sous le coil. Ok. Donc avec un O-ring. Donc ici, c'est ce qui sera en contact avec le plot du mode. Si le mode a une prise d'air dans son plot, l'air passera par là. On peut avoir une prise d'air par les côtés, par le dessous de la taux. Si on a un mode
son trou central et qu'on veut la prise d'air par le dessous, ça arrive sous le coil par ici. On a le même plot plein. Donc pour utiliser le dripper avec les prises d'air sur le côté. Mais il y a quand même ces deux trous là qui servent au montage du plot. Ok, mais en tout cas il n'est pas percé en son centre. Voilà. Ensuite, les pièces de la taux. On a une base 510. Ok, donc avec des petites fentes pour l'arrivée d'air si on veut, avec deux trous d'arrivée d'air au-dessus du filetage 510 si on le veut. Plutôt une pièce assez propre, un filetage sans souci, j'ai pas eu de problème. Deux O-ring, c'est ici qu'on va venir visser son plot, et donc ici c'est notre juice well. Ok, donc en l'occurrence pour le je vais le monter avec le plot plein pour la démo. Le plot plein, je suis en train de dire une connerie, je vais le monter plus tard, c'est pas grave. Donc une base, on a une espèce de cup en deux parties, plot positif, plot négatif, en stainless steel toujours. Ils ont réussi de reprendre un peu le concept de la cup céramique en stainless steel, apparemment, d'après ce que j'ai compris dans leur vidéo. Donc on a ces deux parties isolées par des pièces plastiques noires, je sais pas en quoi c'est, acétal je crois, comme leur drip tip. D'ailleurs, je vois qu'ils ont pas mal morflé. Il faut dire que je l'ai pas mal utilisé. Donc, ce serait pas mal qu'ils revoient ça en pique ou je ne sais quoi. Ok. Ces deux pièces qui viennent s'enficher l'une dans l'autre. Et donc, on obtient une espèce de cup comme ça. En stainless. Avec donc les petites vis, on voit pour notre cantal, deux sur chaque. Donc on a l'isolé ici, le positif ici, et le négatif ici, qui sera en contact avec la taux par ce filetage. Isolé en dessous également. Un peu spécial hein, comme conception. Et donc c'est là-dedans on vient visser notre plot central. Alors que je fasse pas de bêtises, par en dessous. On va remonter au fur et à mesure. Je visse comme ça. Je vais prendre ma barre brasse qui rentre parfaitement entre les deux parties de la cup pour venir serrer le tout. Sinon, si on serre sans cette barre, on a les, si on serre sans cette barre, ce qui se passe, c'est qu'on a les parties qui se rapprochent comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les parties restent bien à l'opposé l'une de l'autre. Ok. Avec l'embout du, je sais pas si c'est fait exprès, mais l'embout du petit tournevis rentre parfaitement dans le trou du plot. Et donc, on vient serrer ça comme il faut, ni plus, ni trop, ni trop peu, ni trop. Tac. Et on a notre cup assemblé, solidarisé, avec donc ici notre plot plein. Ici, le O-ring permettra un éventuel réglage de pin, en profondeur de pin. Exemple, ce qu'il disait pareil dans une de leurs vidéos, je mettrai les liens vers toutes les vidéos. Hein. Il disait par exemple, vissez votre base 510. Et seulement ensuite, vous venez visser votre cup. Et donc, c'est là qu'on peut éventuellement aller visser plus ou moins fort. Éventuellement également pour aligner la cup avec son mode, sa box. Toujours en utilisant cette barre. Pas mal, pratique. Donc, par exemple, sachant que si je fais un dual coil, je vais avoir un coil là, et que je veux mes deux coils bien par rapport à ma box.
Hop. On a un petit jeu avec le ring. On aligne ça comme il faut. Paf, boum, pim. Bon, sur cette box, c'est un mauvais exemple puisque j'ai un plot réglable en dessous, mais ça peut quand même. Si, ça peut être bien de pouvoir ajuster un petit peu. En l'occurrence, je m'en tape un petit peu. Je vais quand même démonter cette cup. C'était juste pour vous montrer l'idée. Bon, un ajustement à base de ring. Voilà quoi. Ensuite, on a donc deux top cap airflow control différents. Donc, on achète au choix le Apollo en standard. Soit on achète la version standard en 22 mm, comment il s'appelle, Apollo RD à 22 mm, soit on achète l'Apollo XTR 22 mm. XTR pour extrême, pour les Power Vapor, le standard, ayant un top cap. Ici, top cap extrême et sa bague de réglage. Ici, top cap standard et sa bague de réglage. Le top cap, ce top cap étant le même pour les deux. En standard, il vient donc comme ça. Un top cap avec des trous de 1,5 mm pour dual ou single. Donc trois trous d'un côté, trois trous en face. Ne fais pas la mise au point sur mon tournevis, t'es mignonne. Ok, dual ou single. Single pile au-dessus du A de l'Apollo, dual au-dessus du L. C'est eux qui le disent, donc c'est le cas sur tous, hein, a priori. Ok. Top cap, donc gravure Apollo, assez sympa au niveau de typographie. Apollo, numéro de série et Paileo. Tac. Gravure au laser, assez sympa, bien qu'un petit peu granuleuse, quoi. Qui a tendance à choper le sopalin, c'est un petit peu relou, donc je vais sûrement lui passer un petit coup de Cape Cod pour adoucir tout ça. Donc voilà, en dessous, on a un dôme. Si vous allez bien vous rendre compte du dôme, en tout cas, il y a bien un dôme. Ok, on voit bien ici les trous pour dual et le trou pour single. Deux O-rings au-dessus du filetage pour venir caler la bague de réglage d'airflow. Il faut venir la mettre bien tout autour, bien droite, et descendre régulièrement partout. Tac, on passe les O-rings, on la plaque bien. Tac, tac. Et là, on peut régler. Donc sur le A, on est en single, au dos, on est fermé. Donc single coil, un trou de 1,5, deux trous de 1,5 ou trois trous de 1,5. Cela tourne parfaitement bien sur le O-ring, parfaitement smooth, pas de souci. En dual, bah pareil, deux fois trois trous de 1,5. Deux fois deux trous ou deux fois un trou, on fait absolument ce qu'on veut et c'est plutôt agréable à régler. Ça ne bouge pas trop, ni trop serré, ni trop lâche. Impeccable. Ok, à noter que ici on est plutôt sur un poly. La bague de réglage d'airflow est plutôt brossée, et on vient visser ce sur top cap qui lui est à nouveau poli pour venir verrouiller le tout. Tac. Verrouiller la bague de réglage, etc.
Donc design assez particulier, hein. Ces gros trous là ne servent strictement à rien en fait. Si ce n'est à refroidir, qu'il y ait un passage d'air dans la tôle, refroidir et à la fois également faire une prise pour dévisser cette partie quoi. Donc un peu un look de capsule Apollo quoi, hein. Je pense que c'est l'idée. On voit que la chambre est quand même très réduite sur la version standard. Pardon. Très très réduite, très petite chambre quand on vient plugger ça. On voit qu'il reste pas grand-chose quoi. Cette partie-là, là, le haut de la cup vient se plaquer là dans la petite rigole là. Autour là, le petit rebord. Donc il y a vraiment que cette petite chambre là qui fait vraiment pas grand chose. Donc voilà comment ça marche. Filetage impeccable, finition, ça dépend. J'ai une des deux bagues d'Airflow qui était pas parfaitement brossée, que j'ai rebrossée au papier de verre. Celle de l'extrême ici sur le standard, ça va plutôt bien. La gravure un peu crunchy. J'avais quelques trous d'airflow sur le standard qui étaient mal ébavurés, qui étaient limite bouchés. J'ai dû prendre un petit outil et puis retravailler un peu les ébavurages. Alors je sais pas, ça devait être au tout début, hein, ça fait un moment que je l'ai. Ça devait être les premiers batchs, ce qu'ils sont pressés de me l'envoyer, je ne sais pas. Bon, ça se retravaillait très très bien et très très vite. Bien nettoyé, il y a quand même pas mal de graisse d'usinage également. Donc bien nettoyé à réception. On voit que quand on vise donc ce surtop cap, on est parfaitement flush en haut. Okay, donc on met une drip tip de son choix, pas de drip tip fourni, un peu dommage puisque c'est un petit peu large là-haut. Si on va y mettre un drip tip standard, par exemple, si je prends mon Orbert ici, que je lui mets son drip tip, on a un petit décroché. Bon, c'est pas moche, hein, c'est pas gênant du tout. Ils auraient pu prévoir un petit drip tip exprès pour cet atto, avec un petit dégagement en bas. Si je mets un True Vape de Guillaume. Pareil, mais bon, ça me choque pas. Par contre, on peut tout à fait mettre un drip tip avec des bords en bas, genre ce tout puff là, qui pour le coup va finir parfaitement la toile. Enfin, en tout cas, un petit peu mieux. J'aime bien. Ou, soyons fous, le drip tip du Vapor Giant Mini V2, qui lui, par exemple, est exactement à la même taille. Enfin voilà quoi. Donc ça c'était le top cap version standard. Je vais être un peu long sur cette vidéo parce que voilà quoi. Donc on achète l'ATO soit avec ce top cap là, soit avec ce top cap-ci au choix. Et on peut racheter après en option uniquement les top cap évidemment avec leur bague. Les prix j'en parlerai plus tard. Donc voici le top cap XTR pour Extreme, Extreme pour le Power Vaping, numéro de série, by Léo à nouveau. Et on a donc là deux Cyclopes juste énormissimes. Deux Cyclopes qui font, pour ceux que ça intéresse, 12 mm par deux, un bon de 2, peut-être 2,5. Donc des Cyclopes de psychopathe. Ok, par contre pas de single hein, pour cette version-là. Pas de single non plus sur la bague qui retrouve les deux cyclopes. Mais il n'y a pas un cyclope unique. C'est pas du tout fait pour ça. Donc on voit que cette bague est moyennement finie. Je l'ai retravaillé un poil au papier de verre, mais ça m'a fatigué. J'ai pas réussi à assez l'attaquer. C'est du SS assez costaud. Hein. On voit que j'ai des espèces de traces verticales qui ne devraient pas y être. Bon, on s'en fout un petit peu. Alors, différence sur ce top cap par rapport au standard, on n'a pas de O-ring. Je ne sais pas pourquoi. Pas utile puisque réglage moins précis que sur l'autre avec ses trois petits trous. Donc, pas de O-ring. La bague passe parfaitement. Elle tourne plutôt librement. Mais voilà. On fait son réglage, on la maintient. Et on vient serrer ce sur top cap. Pour la verrouiller en place, bim, on a un airflow de ouf là,
En général, moi je l'utilise à moitié. Voilà, je ferme la moitié. À noter que la chambre est très différente dans cette version. Je ne sais pas pourquoi non plus. Parce que je pense que percer deux cyclopes dans cette épaisseur-ci, là où ils ont percé les trous, je sais pas si vous voyez, il y a une grosse épaisseur ici. Les trois trous, ils traversent bien 3 mm au moins. Tiens, on va voir ça tout de suite. À 88, ouais, presque 4, disons 3,5. Donc si ça va être possible de percer des cyclopes sur 3,5 mm, mais ils l'ont pas fait. En tout cas, ils ont fait une chambre plus fine en SS, je sais pas pourquoi. Et donc un dôme toujours, mais un dôme plus large, plus grand. Ici j'y rentre mon pouce sur l'autre. Je vais pas rentrer mon pouce dans la chambre en haut. En forçant, oui, ici, je rentre tout quoi. Mais on a toujours un dôme. Alors perso, moi, je l'utilise avec le XT1. J'aime beaucoup. Pas prise de tête. On voit, hein, les découpes sont pas parfaites. C'est pas chirurgical, hein. Mais là, on est quand même en super gros plan. Et on voit tous les petits défauts. Bref. Voilà pour les deux top caps. Donc, en l'occurrence, je vais laisser de côté le standard. Je vais garder mon extrême que je vais mettre à moitié ouvert. Je viens y visser mon sur top cap, verrouiller le tout. Voilà ce que ça donne. Et une fois sur la base, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête. Donc, il fait 22 évidemment, et il fait 25,5 sans connexion et sans drip tip, je crois. C'est ce qu'ils indiquent. Je vais vérifier. A priori, ça doit être ça. 25,5, 45, 25,5. Donc voilà pour la présentation des pièces. On va passer à une partie montage. Je vais préparer des micro-coils. Et puis je fais un petit cut. Et je reviens pour un montage. Et on va pas rigoler. A plus tard. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui a fait son montage en vidéo et qui n'avait pas appuyé sur enregistrer. Donc c'est l'histoire d'un mec qui l'a dans le cul et qui est obligé de recommencer tout de suite. Et donc, on va tout de suite niquer, démonter son montage. Hop, il était pas mal mon montage en plus, hein. Je suis vert. Vert, vert, vert. Donc, je vais faire des cochoncetés, je le démonte. Je vire le coton. Hop, je vire ma cup de la base. Je te jure, première fois que ça m'arrive, je crois. Je mets du jus partout, c'est pas grave, c'est à l'arrache comme d'hab. Et puis on fait comme si c'était rien passé. Non, mais bon, je préfère vous le dire parce que. Voilà quoi. Je dévisse, je vire mes coils. En plus, il était bien quoi. Putain. Donc, montage dual coil, dual micro coil en 0,40. Sur tige de 2 mm, je crois. Bon, je vais faire un petit peu de ménage quand même, hein, parce que là, du coup. On ne se moque pas. Donc, voici une base toute propre. Ou presque. Et voici ma cup. Toute propre ou presque. Donc, pour le montage, attention donc de bien serrer tout.
toute votre partie cup avec la petite tige en brasse, puis avec éventuellement même une pince, on vient serrer le plot pour que tout ça soit bien, bien, bien solidaire et ne bouge pas. Ok, nous y voilà. Je vais prendre un bout de cantal, une dizaine de centimètres. Ok, au pif. Je vais même en prendre tout de suite deux parce que ces rouleaux me fatiguent la tête à se dérouler tout seul. Hop, et je cherche le trou pour bloquer tout ça. Ok, je me débarrasse du cantal. Ok, alors voyons voir ce que je shoote quand même. Je shoote un merdier plein de jus dégueulasse. Je m'en excuse. Ok. Donc ce que je disais dans la vidéo précédente qui n'a pas été filmée, c'est que je ne vais pas dévisser les 4 tout de suite. J'en dévisse 2. Une. J'en dévisse. Et alors attention, hein, elles sont très courtes. Je crois que je l'ai montré. Je ne sais plus si c'était dans quelle partie. Faut pas trop dévisser quoi. Chut, chut, chut. Si c'est le chat qui s'y met maintenant, on est mal barré. Hein. Bon, on y va. Deux petites vis dévissées là-haut. Ok, on prend son bout de cantal et on vient y faire un crochet. Ok, un petit crochet comme ça. Ok, petit crochet qu'on vient passer autour de la vis et qu'on vient pincer derrière la vis, que ça ne bouge pas, plus ou moins comme ça. Ok. Éventuellement avec une pince. Tac. Et puis on vient serrer la vis. Avec la longue patte plutôt vers le haut, on va dire. Bon là ça glisse de partout, je sens que je vais m'énerver. Bref, je serre la vis. J'ai les doigts complètement glissants. Hop. Je vais me détendre et puis je vais essayer de faire ça bien. Rassurez-vous, ça vient. Ok. Je vais venir couper l'excédent. La petite patte qui sert à rien. Tac, c'est parti. J'ai donc un cantal comme ça pris dans la vis. Je serre bien. Ok, je n'utilise pas la barre laiton qui fait 4 mm, c'est juste trop énorme. J'utilise un petit forêt de 2,5 mm, je crois, que je vais venir comme ça mettre au milieu de la cup. Ok, que je tiens par le haut comme ça et je viens faire autour mes spears. Alors mes spears, je vais en faire 5 ou 6, je ne sais pas, on verra au feeling. 3, 4, 5, alors 1, 2, 3, allez 6, ça me paraît bien. Et puis, je fais en sorte que la patte ressorte du côté de la vis où le cantal est déjà pris, comme ça. Ok. Ici, je lâche tout, je prends ma tige et je viens avec ma tige, donc positionnée, je relève et je tourne comme ceci. Hop là. Je refinis mon tour. Ouais, ça peut être très clair, j'essaie de vous montrer hein, au fur et à mesure. Hop. Hop. Comme ça. Ok, j'ai bien 6 tours que je les recompte à l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'a l'air d'être ça. Ensuite, l'idée va être de passer la deuxième patte autour de la vis, comme ça.
Alors, est-ce qu'elle est assez dévissée? Elle n'est pas assez dévissée. Je la dévisse. Je viens. Hop. Comme je peux coincer ma patte autour de la vis comme ça. Ok, on viendra positionner tout ça parfaitement plus tard. Hop, je coince et je viens serrer. Tac, impeccable. Pas mal ce premier coil a priori. Je coupe l'excédent. Je viens réinsérer mon foret. Et je viens placer ça définitivement correctement. Sachant que la bonne place est au-dessus comme ça. Ok. Genre finir la forme de la cup ici. Aligné avec la cup et juste au-dessus de la cup. C'est parfaitement placé ici. Donc en voilà un de fait. Yes, on va faire le second. Et alors le second un peu délicat parce qu'il faut pas niquer le premier quand on fait le second avec son pouce. On essaie de pas venir appuyer sur le premier coil. Donc je viens dévisser mes deux dernières petites vis. On voit également que j'ai un petit souci d'alignement de cup ici. C'est-à-dire que là, on voit ça n'est pas resté symétrique. Et ça, c'est un petit peu chiant. Je pense que c'est un peu dû à mes isolateurs qui sont foirés. Donc, j'arrive pas à bien faire quelque chose de bien serré qui ne bouge pas, quoi. Et ça, c'est chiant. Donc, je rééquilibre comme je peux à la pince. Ouais. Un petit peu chiant cette affaire. Clairement, c'est pas le dripper le plus simple à monter. Hein. C'est pas pour les noobs. Hein. Pas pour les noobies. Hein. Bref, on va faire le deuxième. On va voir comment ça tourne. Je prends mon deuxième bout de cantal. Je me relève les manches parce que. Voilà quoi. Je m'attends pire. Je viens faire mon petit crochet autour de mon petit tournevis. Je viens passer mon crochet, petite patte vers le haut, autour de la vis, petite patte vers le haut. Après, chacun trouvera sa technique. Avec une pince, je viens, parce qu'avec mes doigts, j'y arrive pas. Avec une pince, je viens fermer derrière pour pas que ça bouge et que quand je visse j'ai pas de surprise. Je viens visser avec la longue patte plutôt qui part vers le haut, mais pas non plus complètement vers le haut, on va dire vers 13-14 heures, et je viens serrer et j'essaye de pas appuyer sur mon premier coil pour pas le défoncer. Et non seulement à ce moment là mais tout du long du montage du second coil, hein. Très attention à ça, même si on pourra le récupérer après si on le défonce, mais bon, on essaye d'éviter. Je viens couper mon excédent. Et alors là, un peu plus délicat, puisqu'il faut que le foret passe. Mise au point. Oh. Mise au point. Il faut que le foret passe sous le premier coil. Comme ça. Il faut que je vienne le tenir par au-dessus comme ça, sans écraser mon premier coil ici. Et je viens fermer 5 ou 6 tours. 6 tours, on a dit. 2, 3, 4. Oh, il va être foireux celui-là. 4. 5, 6. Et je reviens vers la vis pour ma patte. Ma papatte. Je vais essayer de tirer un peu parce que je sens qu'il n'est pas très serré ce coil. Ok, ça n'a pas servi à grand chose. Une fois que j'en suis là, il est un peu moche, mais on va régler ça. Je viens sortir mon foret. Ok, au moins comme ça pour pouvoir, hop là, monter mon coil, tourner mon coil au-dessus de la cup. Hop là, caler. En fait, c'est assez naturel, on vient caler le foret comme ça, posé sur la cup.
Et puis cette pâte va falloir s'arranger pour la passer sous les vis. C'est là que ça se corse un peu. Sous la seconde vis, mais on y arrive très bien ou pas. On essaie de pas défoncer le premier coil. Hop là, je passe autour. Je passe autour. Est-ce que la vis est assez dévissée? Pas tout à fait. Je dévisse un peu. Je viens bien faire le tour. Et puis voilà, on va venir serrer. On va voir comment ça tourne. Oh, ça devrait pas être mal. Je viens le bloquer comme ça, enfin je fais comme je peux, hein, franchement. Pour être tout à fait honnête, la première soirée où j'ai reçu cet atto, donc ça fait maintenant un mois et demi. Alors je sais pas si je disais ça dans la partie qui a pas été shootée ou dans la première partie, sans tant pis. J'ai passé deux plombes à monter mon dual coil en Omega Wire, test ultime pour moi quand je reçois un dripper. J'ai dû le refaire deux ou trois fois et j'ai réussi au bout de 2 heures à avoir un double microcoil en oméga correct. Et depuis, je ne l'ai pas remonté quoi. J'ai tourné un mois et demi avec parce que j'en étais hyper satisfait. Vraiment un excellent rendu. Alors, je voulais pas me faire chier à refaire un coil. Pour la vidéo, je suis un peu obligé. J'ai hésité, puis je me suis dit quand même, vu la complexité du truc, je suis un peu obligé d'en refaire un. Donc j'ai pas repris de l'oméga, j'ai pris du 0,40. Je vous laisse imaginer le bordel en oméga, qui est un gros fil tressé. Enfin bref. Donc voilà, je suis pas mal là. Bon, faut les retravailler évidemment. Mais l'idée c'est ça, en gros. Alors, je vais retravailler ça comme je peux avec mon forêt. On va le placer bien au-dessus de la cup, bien aligné. On viendra le presser après, sauf qu'évidemment, j'ai plus de pince céramique. Ça devrait arriver lundi, mes nouvelles pinces céramiques. Donc on va faire 100. Ok, là je suis pas mal. Et juste, si j'arrivais un peu à... Je parle tout seul, hein. Hop. À remettre ma cup bien symétrique, ce qui a plus ou moins l'air d'être le cas maintenant, plus ou moins. Je vais remettre un petit coup sur les 4 vis. Merde, je suis carrément pas avec vous, désolé. Un petit coup sur les 4 vis. Aïe aïe aïe. On n'a pas une bonne prise avec le tournevis fourni. Bon bref, on est pas mal. Hop hop hop. Je vais mettre ça dans la base, sur la base. Alors pareil, comment visser cette chose, cette cup avec les coils, sans venir tout défoncer avec ses gros doigts quoi. Alors on vient... Idéalement, on vient avec une tige, mais pas celle-là, puisqu'elle est trop grosse. Avec une tige, ouais, comme ça, par en dessous les coils si on y arrive. Pas la peine de serrer comme un sourd. Hein. C'est pas mal sous les coils avec une petite tige comme ça. On doit être bien là. Hop. Ça se visse encore, donc on va y aller. On va essayer quand même de bien visser pour pas avoir des fuites de jus. Hop là. Éventuellement, on finit à la pince en chopant directement cette partie-là et en tournant. Sauf qu'on va venir déformer la cup si elle n'est pas bien serrée. Bref, je me comprends. Peut-être pas vous, mais c'est pas grave. Hop, ce coil-là est un peu. Un peu comme ça, là, et il m'a l'air bien là. On va mettre ça sur la bobate et on va voir ce que ça donne en ohm. Je dois être à 0,3, je sais pas trop. 0,3, 0,4. Voilà.
Pour l'instant 0,3, je vais peut-être baisser un peu les wawatts. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok. Alors là, maintenant, je vais les retravailler par devers moi, hein, parce que là, je peux pas faire ça en caméra. Hop. Désolé si vous voyez rien. Je fais chauffer, je presse, je compresse, je redresse. Je fais mon business. Si j'avais ma pince et rame, ça serait déjà fini. Pas être mal, je vais monter un peu les watts. Je vais mettre à 20 et quelques watts, 23 watts. Alors voilà ce qui reste de ma pince RAM pour info. Enfin, j'en ai déjà niqué deux ou trois têtes, hein, parce que cette chose coûte 11 euros rien que les embouts là. Et c'est de la merde quoi. Malheureusement, c'est de la merde, mais malheureusement, c'est très utile. Mais c'est un peu abusif vu la durée de vie que ça a. Alors on va me dire que je suis un bourrin, mais non, pas du tout. Ça casse quoi, c'est tout, c'est clair. Donc bref, je peux quand même m'en servir un peu là. Même si c'est pas évident. Voilà, j'ai deux coils à peu près. Qu'est-ce que vous en dites? Yeah! Ça glow correctement. C'est à peu près symétrique. Celui de droite est un peu plus haut que celui de gauche. Si je lui mets par-dessus son top cap, toujours vérifier son coton, voir si les coils sont bien derrière les fenêtres. C'est le cas. Et ici, c'est le cas également. Donc vous voyez, c'est assez naturel le placement. Hein. Par rapport à la cup, c'est juste dans la continuité au niveau des séparations entre les deux. Et puis niveau hauteur, c'est juste au-dessus de la cup quoi. Voilà, le bas des spires touche la cup au niveau hauteur. Donc on va dire que là, je suis parfait. Je vais juste baisser un poil celle-là, si j'y arrive. Il n'y a pas de raison. Oh, je vais pas risquer d'accident. Ça ira très bien. Donc je suis toujours à 0,3. Parfait. Je vais passer au cotonnage. J'ai pas mon Fiber Freaks. Je vais prendre mon bacon. Mon coton bacon. Je vais prendre deux petites moustaches. Alors pareil, je vais faire ça pour moi. Hein. Je sais pas si vous verrez grand chose. Je le montre après. Mais on connaît tous le cotonnage. Hop là. Il en faut pas masse, enfin niveau épaisseur comme d'hab, vous faites à votre façon. Niveau longueur, faut laisser genre un bon centimètre de chaque côté. Un centimètre et demi. Tac. Je recentre. Bon, ça va, je m'en suis bien tiré. Deuxième moustache. Donc clairement, c'est pas la taux de Reaper le plus facile à monter. Hein. Après, si on met un single coil au milieu avec prise d'air par-dessous, c'est quand même sûrement plus easy. Si on utilise du fil pas trop gros, ça va. Amateur de gros fil, bon là, je suis quand même en 0, en 26 gauge. Donc 0,40 a priori. Ça passe très bien. Au-dessus, je suis pas sûr. Mon Omega, je sais plus lequel c'était, c'est con. J'avais réussi donc après 2 heures de combat. Je sais pas mon Omega, je peux pas vous dire, mais je crois que c'est du 24. Donc 24. De toute façon, c'est ou 24 ou 28.
Donc plus c'est gros, plus c'est petit, c'est ça? C'était peut-être du 28 alors. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je dis des conneries. Bref, on s'en fout. Ami du build, facile pour vous hein, quand même. Hein, pas non plus infaisable du tout, du tout. La preuve, je m'en sors très bien. Donc on a nos deux moustaches. Ok. Ce qu'on vient faire, on vient rabattre. Côté cup, SS. C'est-à-dire, hop. Celui-là, voilà. Je sais pas si on voit quelque chose. Celui-là, voilà. Tac. Ok. Pareil en face. Celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. On vient pas faire des angles. On vient pas non plus tasser son coton. On vient voir après si ça fait quelque chose de smooth. Ici, hop, on vient retravailler. On veut que l'air puisse passer sous le coil et ressortir au centre. Voilà, donc l'air passe très bien autour. Hop, voilà, c'est très bien, ça se fait tout seul. L'autre côté, pas de souci, on va juicer. On va juicer. Alors, très bien, très bonne contenance, une bonne 40-50 gouttes selon la taille de vos gouttes, assez impressionnant. Ce qui est super, c'est qu'on peut dripper au milieu quand on n'utilise pas le plot troué et ça vient se répartir tout autour très régulièrement. Ici, on va mettre des gouttes de grosses lueur lock recoupées. Est-ce qu'on va voir? Un, oh là là, giclée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elles sont énormes mes gouttes en plus. Hein. J'en suis à 30 au moins. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 énormes gouttes de 100% VG. Hein. C'est du Duck Breath de Quake Juice. Duck's Breath de Quake Juice 100% VG. Et on voit, Fire, que ça ne leak pas, ça ne déborde pas. Je pourrais même en mettre encore quelques-unes. Donc très très grande contenance. Ça c'est super. D'ailleurs, je vais en remettre quelques-unes. Hop, hop, hop. Une bonne cinquantaine de gouttes, même là, je suis impressionné, j'en suis à 60 au moins. Bref, super contenance. Une fois qu'on a fait ça, on revient mettre son top cap. Pour le coup, j'ai des coils pas très larges, donc j'ai ouvert même pas la moitié, les cyclopes du top cap extrême. Je plug. Mais le drip tip tout puff. Mais je vais peut-être en mettre un plus ouvert que ça. Je vais mettre mon Norbert. Parce que c'est le plus ouvert. Norbert, c'est le plus ouvert. Tac. On va repasser sur ma face. Je vais monter à 35. 36. Et on en cause, c'est parti. Yes, les Vapers, de retour sur ma face après cette review laborieuse. J'ai dû re-shooter deux fois le montage. Je suis en train de shooter pour la deuxième fois le close-up. C'est un truc de fou. J'ai changé de système d'exploitation. Enfin bref. Comme vous l'aurez peut-être vu, j'ai changé de caméra. Donc voilà, c'est pas au top. Je suis pas sûr de ce que je fais. J'aimais bien ma petite routine, on va essayer d'améliorer un peu les choses, vous me direz ce que vous en pensez, je pense que c'est pas parfait, niveau mise au point c'est peut-être un peu mieux, niveau qualité c'est peut-être un peu mieux, niveau sonore je ne sais pas, parce que j'ai des problèmes au niveau sonore, je passe par deux choses différentes pour le son et l'image maintenant. Bref, l'Apollo Dripper, excellent dripper grec,
Franchement, je l'adore. Je l'ai depuis le 20 novembre, un truc comme ça, donc ça fait un bon moment. Je vais beaucoup dessus parce que je trouve le rendu tout à fait excellent. Au niveau des prix, j'en ai pas parlé. On peut l'acheter en standard, donc avec le top cap standard, avec les trous, les trois trous en single ou dual, trois trous de 1,5 mm. Donc on achète l'atout complet avec ce top cap standard ou avec le top cap extrême. On choisit à l'achat 98 euros. Donc ça c'est cool, le prix est assez correct. On peut acheter en spares les top cap. Donc si on l'achetait en standard, on peut acheter le top cap extrême. Si on l'achetait en extrême, on peut acheter le top cap standard. Les top cap étant livrés avec leur bague de réglage, heureusement et normalement, logiquement, à 28 euros. Ce qui est correct également. On peut acheter également le pin central troué avec un menu déroulant où on peut choisir un airflow de 1,5 ou de 2 mm. Alors je ne sais pas de quel trou il parle. Certainement du trou central, je pense. Je ne sais pas, en tout cas, je sais pas, celui qui est fourni avec l'atout, parce que le pin troué, il est fourni avec l'atout déjà d'office. Je ne sais pas combien il est, et je ne trouve pas de pin central plein en spare. On ne peut pas l'acheter seul, mais de toute façon, il est fourni avec l'atout, donc on s'en fout. Pourquoi on peut racheter un pin central troué à 1,5 ou à 2 mm au choix? Je ne sais pas. Je pense que je vais pas dire n'importe quoi parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est les trous sur les côtés du 510 ou est-ce que c'est le trou central 1,5 2 mm au choix? Je ne sais pas. Posez la question à Bill. Build de By Léo, très sympa, très réactif sur Facebook, n'hésitez pas. On peut acheter également les isolateurs de la cup, les pièces noires qu'on voit qui ont pas mal morflé chez moi à cause de ma vape de bourrin à 2 euros les 4 pièces. Donc on s'en sert de 2 à chaque fois. Mais a priori, il n'y a que celui du haut qui morfle. Donc on en a 4 pour 2 euros, c'est super. N'hésitez pas à les prendre d'entrée de jeu. D'ailleurs, moi je vais m'en reprendre et puis je vais en profiter pour dire à Bill qu'il faudrait qu'il change la matière, c'est de l'acétal de mémoire, qu'il essaye d'en les faire en pique, ça serait pas mal. Excellent tâteau, donc contenance de ouf, 50 gouttes. On parle drip tip, ça tombe au milieu, paf, boum, bim, ça serait parti très bien dans le juice well, impeccable. Donc grosse contenance, vraiment, excellent. Gros rendu, très bon rendu. Très grosse vape, là je suis sur les cyclopes à moitié ouverts, donc imaginez totalement ouvert, même pas à moitié ouvert, avec des coils longs et à pleinement ouvert, ça doit être la folie absolue sur une box qui envoie la patate. Pour les power vapeurs, il y a moyen de faire un truc de malade. Rendu tout à fait exceptionnel, j'ai envie de dire, excellent, excellent rendu, exceptionnel, je sais pas, très bon rendu. Et encore, il paraît que le rendu est encore meilleur avec le top cap standard, donc il y a une chambre réduite et un dôme plus prononcé. Donc je ne sais pas, j'ai pas trop tourné sur le standard, moi je tourne sur le extrême qui me va très très bien. Il paraît que le rendu est également meilleur avec l'air sous le coil, ce qui est souvent dit. Est-ce que c'est vrai ou une légende urbaine? Je ne sais pas. En tout cas, c'est possible. Donc voilà, un Atto Dripper grec à un prix, somme toute, relativement, on va dire, raisonnable, entre guillemets, tout à fait versatile. Single coil, dual coil, quadricoil. Pas mal de vidéos en grec, par contre, de Georges, le modeur de Byleo, le papa de Bill, je crois. Je vous mettrai le lien vers la chaîne YouTube de Byleo. Sous cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Quoi dire d'autre? On va pas parler des événements, j'étais pas trop motivé pour faire des vidéos ces jours-ci. Quelques vidéos en retard, 3-4 vidéos qui vont peut-être s'enchaîner dans les 15 jours à venir. Voilà quoi, on va pas s'étaler sur le sujet. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et une bonne vape, ciao. Like, 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 like